Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de The Last of Us Part 2. On s'est arrêté ici, exactement, avec Dina. Je reprends là tout de suite. C'est beau, c'est... Punaise. C'est incroyable ce jeu, il est tout simplement incroyable. Je suis trop à fond dedans déjà. Donc on continue, on va pas trop parler, on continue tout simplement. On est avec Dina à cheval, et c'est parti. Putain, l'eau mon gars. Waouh, comment elle est bien faite l'eau. Est-ce qu'il te manque? Jessie? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est géniale. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que... il n'y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle n'était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ellie, en fait, son tatouage, c'est son ex-petite amie qui lui a fait. Et ça, j'en avais entendu parler, en fait, avec des théories et tout machin. Et en fouillant un petit peu partout, voilà, je trouvais que ça pouvait être plausible, et du coup, c'est vrai. Voilà, ok. C'était pas un leak, rien, hein, c'était des théories, et voilà, c'est vrai. En fait, il y avait le truc comme quoi, ouais, c'était une amie d'Ellie qui peut-être l'aurait fait le tatouage pour le cacher et tout ça. Et en fait, c'était son ex-petite amie. Ok. Très très bien. C'est cool d'en apprendre plus. Vous voyez, c'est ce qu'on voulait en apprendre plus sur The Last of Us. Le 1 était trop court en fait. Quand il pense, il était trop court. C'est trop trop bien. Tu veux voir un truc hallucinant? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Tu vas te Allez, montrer la du doigt. débile. T'attends, moi je fouille là. Oh, pour qui tu me prends, Dina? Y'a rien là? C'est ça qui est chiant avec l'idée des collectibles. J'ai toujours envie de fouiller, c'est terrible. Allez, on va essayer de pas trop chercher les collectibles, on le fera plus tard quand on fera le jeu. On a le temps, les gars, on a le temps. C'est par là. Et là-bas, y'a quoi là? À mon avis, on va arriver à la belle vue qu'on a pu voir en extrait de trailer. Ouais, ça va être ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre? Viens. Bah alors Ellie, on est amoureuse? C'est beau, hein? Bien joué les copains, c'est très très beau. Cette patrouille avec qui avant? Jessie? Eugène. Oh, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recabler des trucs, dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Je m'étonne. J'ai pas envie de t'aider, hein. Au cas où, je le dis. Qui va en premier? Qui va à la ici. Première? Let's go! T'as, les animations sont folles. Des visages, les corps et tout, c'est. Vraiment, j'étais choqué par contre par le bébé dans le premier épisode là. Super super bien fait, jamais vu un truc fait aussi bien quoi, pour un gosse.
Y'a rien là-dedans. Nine, nine, nine. Signe le registre. C'était quoi cet endroit? C'était une tour radio à... Ah bah stylé l'anime là, quand elle ramasse. Bah ouais, y'a des petites animations sympas. C'est ajouté, c'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh Dina, ça dit qu'on fume un gros bang. J'imagine que le bang, c'est celui de Gênes. Il est à moi. C'est lui qui me l'a donné. D'ailleurs, t'en as sur toi? Oh, j'aimerais bien. Le Gênes en avait toujours, lui. Attends, de base, je devais signer un registre, il est où? Dina, il est où le registre? J'ai pas écouté, je suis un mauvais élève. On fouille, bah ouais, on fouille. Donc déjà on a un flingue, un pompe. Bah je crois que j'ai pris des munitions de pompe ou alors c'est pour ma... mon fusil, je sais pas. Attends, qu'est-ce que c'est écrit là? Ah, vous auriez pu au moins l'écrire en français les gars. Ok, j'ai rien dit. On a trouvé un cheval coincé dans la glace sauvée. GNRS, 5 claqueurs. Dans le sous-sol, éliminé. Chèvre morte près de la maison. Ah, d'accord, ok, ça c'est le registre des patrouilles où tout est répertorié. Je l'ai vite fait quand même. Serre mort, trouvé juste. Forte tempête, la rivière déborde en restant que cette nuit. T'as assez stylé, ça fait vraiment mode survie, c'est excellent, c'est trop bien. Trouver des empreintes, on les a suivis jusqu'à un petit campement, deux adultes et un enfant qui ont besoin de soins, on les emmène direct en ville sans passer par le prochain poste dégué. Tommy Joel RS, Greg et Bonnie, Tommy Joel, deux claqueurs près de la station service. Très bien, très bien. Non, je voulais signer, pardon. Et voilà. Tu t'écris vite, hein. Et nous, qu'est-ce qu'on a mis là? RS, clean, ça. Nous sommes donc le... 2 mars, très bien. On est le 2 mars. Viens voir. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. C'est joli. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais. C'est là qu'est le prochain poste de guet. C'est un supermarché? Ouais, on va y passer en allant dans la ville. Ah, je vois le chalet de ski qui est sur l'itinéraire de Tommy et Joël. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc on va aller là-bas. Très bien. Donc il y a un supermarché, un clocher et un chalet. Ok. Bien, on retourne aux chevaux. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier? Elles sont propres. Je juge pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. T'es quand même canon. Merci. Hé, hey, Dina, tiens, arrête de me faire des éloges, arrête. Bon allez, on descend. On arrête les conneries là. Eh, je pouvais pas aller là juste à... Attends. Curiosité. Non, je peux pas. Ok, j'ai rien dit. Bon, je sais pas si je peux sauter. Merde, bon bah. Ok, je voulais pas sauter, peur de perdre de la vie. Mais c'est bon, c'est ok. Quand toi, je voudrais bien sortir mon arme, voir un petit peu ce que j'ai là. C'est trop bien. Je vous jure, c'est... Japon. Je me sens à la maison en fait. Paillettes et Japon, ok. Je me sens à la maison dans le jeu, c'est trop bizarre. C'est trop bien. J'ai l'impression de connaître déjà le jeu, c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. Ah bah ouais, autant passer là.
d'un AVC? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi, jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Ah, j'ai pas envie de galoper, je profite. Tu pourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu sais comment tu vas mourir? Oh, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer? J'ai pourri ta blague? Non. Peut-être. Ta gueule. Oh, merci d'avoir regardé l'humour de Ellie et tout, l'humour du jeu. Ah là là. Comme à la maison. Eh, hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Oui, oui, on y va. J'avais tellement envie de fouiller, Ellie, elle l'a dit à ma place. C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on l'échappe sur le périmètre extérieur. Ok. Elle est cool, cette caravane. Une vraie petite maison portable. Tu crois que les gens voyageaient vraiment là-dedans? Tu ne serais pas, toi? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Un jour, peut-être. Ah, c'est beau de rêver. Allez, viens, on va fouiller les autres maisons. Jesse parlait beaucoup du Canada. Il voulait voir des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais? Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. À chacun ses rêves. Tu fais quoi ce soir? Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Et ça va, vous deux? Ouais. Vous allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Oh non. Plutôt pas mal en fait. Je suis dedans, hein, désolé, je suis dedans. Pauvre gamin. J'avoue. Et toi alors? Tu fais quoi après ça? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. Ouais. Tu veux qu'on se retrouve après? Ok. Peut-être que je te jouerai quelque chose. Ok. J'ai oublié, je suis tellement... Parle de quoi, Curtis? J'ai oublié le sac. C'est deux anciens commandos qui abandonnent tout pour combattre des méchants. Et je crois que dans celui-là, ils affrontent des espions russes. Ah, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Ok, donc le jeune Viper a suivi un entraînement de ninja. Et il déchire vraiment tout. Mais il a quel âge dans le premier film? 10 ans. Attends, il y a eu combien de films alors? 4, je crois. Bordel. Joël a même vu le dernier au cinéma. C'est complètement fou. Ouais. Tu crois que quelque part, il y a encore des gens qui font des films? Sûrement. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, ils sont tous comme nous. Ils survivent jour après jour. Bah, je continue d'écrire de la musique, donc si quelqu'un a une caméra... Attends, quoi? Il y a des chansons originales d'Ellie? Pourquoi je les ai jamais entendues? J'en sais rien. Tu m'en joueras une ce soir? Allez, quoi? Je vais y réfléchir. C'est top. C'est top, top, top. Ready, on est comme à la maison là. C'est excellent. On va fouiller la maison là encore, si on peut. Je pense qu'on peut y accéder.
prendre les stimulants. C'est cool en fait, tout. Non, non, donc c'était bien des munitions de fusil tout à l'heure. Tout est. Comment dire? Oh, on perd pas le nord quoi, tu vois, je sais pas, on est. Super-héros que tu collectionnes? Ah, ouais. On est bien quoi, on... enfin, je sais pas quoi, j'arrive plus à parler les gars, je vous jure, je suis trop dedans en fait. J'aime plus ce que je veux dire. là, je sais pas si on peut aller dans celle-là, je pense pas. On a récupéré des balles. Voilà, ok, ça on a fait, ça on a fait. On va continuer tout simplement. Let's go! On y va, Dina! On y va! Je sens que ça sent quand même la bonne expérience, je sais. Mais vraiment, tu sens la différence hein, du premier, tu le sens. Mais c'est le même univers et t'es pas paumé, c'est ça qui est cool en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis putain, c'est beau quoi. Oula. Il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. Ok. Donc gauche, arme longue, droite, ok. Donc je veux juste voir la visée de ça. Très bien. De ça, très bien. R1 pour changer d'arme rapidement. Ah, ça c'est ok, d'accord. Donc comme ça, mettons, je tire. Bam! Bam! Oh, et les gars, il y a du combo à faire. Il y a du combo à faire. Parce que j'ai dit, on va suivre les traces de sang. Merde. Il y en a à l'intérieur. Comment ils ont fait pour entrer? Et surtout, comment on fait pour entrer? Là, on peut pas, là. Je vois plein de traces différentes. Ici, hein. J'ai essayé de sauter, j'ai pas réussi. On peut pas? Non? Ah, déjà, on peut se retourner vite comme avant, ok. Non, donc on peut pas passer. Je pensais passer sur le toit, là, et passer là. Non. On n'est pas dans Assassin's Creed, mon pote. T'en penses quoi? Ah ok. Pour mieux régner. Un à la fois. Ça me va comme plan. Encore du sang. Ok, donc il y en a un là. Coureur. Bien, Ellie. C'est ça qu'on veut. Ouais, il est mort. C'est ça qu'on veut. Il est dead. Divisé pour mieux régner, non? On va essayer. On peut aller là. Pour rentrer par l'arrière du supermarché. Attends, on peut pas ouvrir là. Bonne idée. Ok, verrouillé. Les portes fermées peuvent généralement s'ouvrir de l'autre côté. Très bien. Ok, ça fouille, ça fouille. Je suis désolé, j'arrête pas de fouiller, je suis désolé. On va l'ouvrir. Hein. Donc là, quand c'est ça, faut rester appuyé, ok. Allez! Oh, attaque éclair mon pote. Pikachu. Yes. C'est bon. Ouais. Joli lancé au fait. Merci. Tu peux pas en ramasser une autre? S'il y a moyen de ramasser une autre bouteille là, je suis preneur.
Bouteille, brique, tu connais. C'est quoi ton record d'infectés tués pendant une patrouille? Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Brave, non, j'ai pas envie. Par où on passe là, attends. Ah ok, là-bas. Dina, par ici. D'autres coureurs. Pas de bruit. On va voir ce que ça donne. Yes, bien Dina, bien. C'est stylé avec le fond flou comme ça et tout. Franchement stylé quoi. Ça on ramasse. Non non non. On va pas faire de bruit, y'en a d'autres. Malade ou quoi? Laisse-moi passer. Mais non. Putain. Dina, je voulais passer. Ah non, hein, faut pas que les PNJ nous cassent les burnes. Hein. Attention, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Oh, je suis grillé, je suis grillé, je suis grillé. Putain, ça c'est bon ça. Il y en a pas d'autres? Non. Je crois que c'est bon. Ouah, c'était bon ça, c'était bon. On s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Attends, où est-ce que t'as rangé la bouteille, Ellie, là? Oh, vous avez vu là? La petite cachette dans le sac là? Eh, bien vu la petite animation, regarde. Hop là. Bien, bien, bien. Alors, je vais peut-être pas faire attention à tous les détails, mais j'essaierai de faire attention à un maximum, histoire de bien en prendre plein la tronche, quoi, tout simplement. Il faut en prendre plein la tronche. Et est-ce qu'on peut péter les carreaux? Parce que comme on a vu dans le trailer, est-ce qu'on peut péter le carreau, là? Attends. Ah, ça, c'est bon, ça. Eh, ça peut être un truc, ça, en fait, pour faire des diversions, des trucs comme ça, non? Toi t'as rien toi, non? Célèbre courte échelle! Ok, vas-y. Y'a pas de The Last of Us sans courte échelle, bah non. Y'a pas d'Uncharted sans courte échelle, bah non. Y'a un trou dans le toit là-bas. Ok, let's go. Là. Ah, oh, je suis tellement bien dans ce jeu, je me sens tellement bien. Vas-y. Là, tu vois? Yes. Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Bah par le camion, comme on a vu dans les trailers. Là, on va passer en dessous, on va se faire attaquer par un mec qui va être là au-dessus. Ah ouais, on a été spoilé par les trailers, super. Mais Dina, elle va le buter. Bah oui, on connaît. En fait, c'est des briefs de passage qu'on a pu voir. C'est le début du jeu, en fait. Allez, défonce-le, là. Bam, bam. Ouais. I'm okay. Non, j'ai plus de vie. Juste un peu secoué. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. Alors, plein de sang sur elle. C'est pas propre, hein. Mince alors. Bah allez, hein. Alors, attention. Attention. Quand elle va s'accrocher, quand on va sauter, là, elle va s'accrocher. On regarde quand sa main touche la neige, comment la neige s'en va. S'ils ont pas corrigé ça, c'est un peu dommage. On va regarder ça. Si on arrive à sauter, bien sûr. Ah non, ils l'ont pas corrigé. Par là. C'est pas grave. Mais ils l'ont pas corrigé. Mais c'est pas grave. Mais oui, on le sait.
Mais c'est pas grave. Bah, on va mettre des balles après, il va y avoir des claqueurs là, c'est sûr. J'y suis. On n'a pas encore eu les claqueurs, les gars, ils vont arriver. Belle télé. Hey, j'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Ok. On va créer ça, t'inquiète. On va se soigner tout de suite. Et puis let's go baby. Hein. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Bon ça on l'a. Quand il pense, Ellie elle est immunisée. Est-ce que Dina le sait que Ellie elle est immunisée? Je pense pas. Elle a encore son masque. Je pense pas. Il y a beaucoup trop de secrets. Beaucoup trop de secrets. Ok, ça on prend. Il y a rien là, non. Ok. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Oh, c'est mignon. Tous ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ouais. Attends, fallait passer là, parce que je sais pas, de l'autre côté on pouvait y aller je aussi. Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Ah, attends, ouais. C'est pas une note ou quoi là? Avec un code? Oh, oh putain, le jeu a bugué là. Attention, hein. Attention les bugs, hein. Je t'ai laissé la meilleure cam dans le coffre. Ok. Et on peut pas retourner le. Ok. Eh bien, little bug là, je sais pas, il y a faisait. Normal les gars, il va encore avoir des patchs par la suite. C'est pas grave, c'est pas grave. On fait attention à tout, aux bugs, aux pas bugs, à l'excellence, au moins bien. Faut qu'on fasse attention à tout. Par contre, je veux absolument la combinaison du coffre. Hein. Je ne pars pas sans cette putain de combinaison. Attends, par où on est rentré là? Par là, ok. S'il y a moyen d'avoir la combinaison. Déjà j'ai pas pris ça, j'ai pas pris ça. Bien, bravo, super. En fait t'étais obligé de passer là. Enfin pas obligé mais bon. Ok, on y retourne. Employé du mois. 2013. Hein. C'était en 2013 tout ça. Bah. Mais du coup la combinaison elle serait pas écrite quelque part là, non? Je pense qu'il faut trouver un papiao. Ok là t'as rien. On peut y aller aussi maintenant. Moi je veux la combinaison. Ah, ah non, pas du tout. C'est de, on a de quoi crafter là. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Pour l'instant, on peut rien faire. Ça, pour l'instant, les stimulants, je vais les garder. Je verrai plus tard ce qui est mieux à faire. Pour l'instant, tranquille. Bon, j'ai pas la combinaison. J'ai fait yesh. Aïe. Oh là là, le bruit.
Ouais, quand il y en a 2-3, ça va être simple. Par la suite, ce sera moins marrant. Tout seul, celui-là? Archi stylé les claqueurs. Oh. Le travail qui a été fait sur eux là. Ils sont tellement horribles. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Attends, moi je veux la combinaison. Ensuite, on se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Désolé, hein, j'utilise pas mes armes moi les gars. On les utilisera quand il faudra. Attends, du coup on est tombé de où là? Je me rappelle plus. Attends, de où on est tombé? Ah, de là, ok. Ah putain, je peux pas remonter. Je pourrais pas avoir la combinaison du coffre. Ah, je pourrais pas retourner au coffre si j'ai la combinaison. Ellie, dommage. J'ai trouvé la porte. Tu parles bas. Moi je suis avec ma bouteille, tu sais. On sait jamais. Je prépare un cadeau. J'aime les cadeaux. Ouais. T'as un truc là, non? Ouais. Ellie. Oui. Oh. Tiens. Merci. Très très bien. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. Hop, dans le sac. C'est pas fini. Et du coup, Ellie, quand tu l'allumes... Ouais, tu l'allumes, ok. Mais quand tu le ranges dans ton sac... Ah, c'est ça, la petite animation. Il y en a que ça gêne. Parce que là, en gros, le truc, il est allumé. Et quand tu le ranges, il s'éteint, tu vois. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une petite animation histoire d'annuler ça. D'annuler le molotov. Mais comme je disais, c'est peut-être chiant de rajouter une animation comme ça. Mais bref, on voit les défauts, on voit les qualités. Allez, on y va. Attendez, vous êtes combien là? Il y en a un paquet ici. T'en penses quoi? On commence par les coureurs. Est-ce que je peux la choper elle sans que le claqueur me... On va voir ça. Ouais, okay. Par contre, il reste encore un coureur. Il est où? Il est là. Il faudrait qu'on le chope et après on se fait les claqueurs tranquilles. Putain, le bruit des claqueurs, ils l'ont amélioré, c'est pas possible, non? Oh, je pense. Ah, est-ce que Dina peut se faire griller, nous faire griller notre position, tu vois? Attends, je vais me faire le claqueur. On va se le faire avant, tranquille. Donc les claqueurs, tu peux juste les égorger. Il me semblait que c'était la tête, moi. La tête et rien d'autre.
Ouais, j'ai envie d'utiliser des balles en vrai là, mais. J'ai envie de les garder en même temps, tu vois. Autant se faire le jeu comme un fou là. Allez, 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 allez! Ça dégage! Bon, allez, il reste le claqueur. On y va doucement, pas de bruit. On n'oublie pas, il one shot le claqueur, il one shot. C'est bon, c'est fait. Putain. Eh, ils sont trop bien faits, ils sont trop bien faits. Voilà, là, là, là. Après, je sais pas si le fait de les éliminer comme ça, on a plus de stuff que si on. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Ah putain, d'accord. Bien les éclats et tout là, putain, c'est bien ça. Il en reste? Non. On fouille un petit peu là tu vite fait. On est impressionnante. Ouais. Ils vont pas nous croire quand on leur donnera notre score. Non, ça on va sortir après. Tu vois une sortie? Oui, je l'ai vu. On sait jamais, hein. Putain, du coup, je suis dégoûté pour la combinaison du coffre là. Oh, il y avait une bricasse, on va la ramasser la brique. Hein. On va la ramasser. Ah, il y avait moins de passer là. À mon avis, tu pouvais esquiver et tout. Ça, je peux pas. Bah, si, au pire, je la jette. Elle est où la brique? Elle était où? Moi, je veux la brique! Voilà. Ah, telle qu'une bonne brique, les copains. Bon, bah, écoute, j'ai l'impression qu'il y a rien ici. Après, si j'ai loupé des trucs, tant pis. Allez, viens, ma poule, on se casse. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok. Ouais. Il y a un câble. J'allais dire faire du rappel, mais je sais pas comment tu veux faire ça. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir. Ah ok, bien vu l'artiste. Vas-y. Yeah. Bon, par contre, tu me laisses pas tout seul là. On me laisse pas tout seul ici. Bon. J'y vais. J'ai l'impression que pendant qu'elle va monter, il y en a qui vont arriver. Hein? J'entends des bruits là. Laisse-moi grimper, je veux grimper. Dina, j'arrive. Fais gaffe en arrivant en haut. Il y a du vent. Et là-bas, y'a rien là? Attends, attends, moi je vais voir. Je peux pas y aller? Ok. Mais bien joué, les filles! On est loin du poste de guet. C'est juste après la prochaine ville. Ok. Ah, va pas trop loin, Dina. Eh, hey, t'es encore loin? Encore quelques minutes. Ok. Eh, hey, la capuche. Yes. C'est de pire en pire. On fait demi-tour. C'est trop tard maintenant.
On y est presque. Attends, t'es où là? Ma belle. Ah, elle est là-bas. Allez, continue. Ah, il veut plus courir. Dina, c'est encore loin. Payette, cours. Cours, Payette. Dina. Dina. Eh bien, bien d'être parti sans moi. Dina, where are you? Dina, t'es où? Ça vous dit rien, ça, ce passage? Ouais, le visage de Ellie est mal fait, on dirait de la Dina PS2. Allez, barrez-vous. Ah, mais il y en a eu. J'en ai vu des trucs comme ça. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et Abby, elle l'a pas chopé, non? Putain, j'avoue, je suis paumé là. Merde. Dina! Ellie! T'es où? Je te vois! Dina! Ah, ça va. Oh, super! C'est par là! Où est-ce qu'on va? Ah, mais fais plus ça aussi. Fais-moi confiance. Oh, on va passer la nuit là au pire. Hé, hey, librairie! Va à l'intérieur! Je m'occupe de la porte. Il fait froid! T'es déjà venu? Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il y a personne. Ouais, il devrait y avoir personne, non? On peut nous laisser un peu de répit et puis dormir. Waouh! Yes! On avait ça quand on était petit. Ah, ça va, j'ai 31 ans, calmez-vous. Vous étiez avec vos tablettes tactiles déjà, moi jamais pas nous âmes. Par contre, ça peut sentir la baston quand même là-dedans. Il y a plein d'endroits où tu peux te faufiler, te cacher. Donc attention. Il me semblait que j'avais vu un truc là, non? Ok. Après, je peux péter le carreau hein, si jamais on se casse. Il y a des bouteilles partout. On va fouiller vite fait, on va retourner vers la porte après. Non, on va d'abord aller là-bas. On va péter le carreau, mon pote. Quoique, si on peut ouvrir. Comme par hasard, là. Allez, on pète le carreau. C'est quoi tout ça? Tous ces trucs électroniques. C'est forcément à Eugène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Non. Ah ouais, non, c'est bien la planque de gêne. Me dites pas qu'elle est pendentif des lucioles aussi. Aïe. Des lucioles? Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. T'as, du coup, y a pas la combinaison là? Du genre. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Attends, du coup, je vais retourner. Il a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Mais on va pas en parler maintenant, d'accord? Je vais voir s'il y a quelque chose là au niveau de la porte. On va aller voir ça. Mais non, je m'en fous de l'astuce. J'ai pas fait exprès, j'ai activé l'astuce. Moi, ce que je voulais, c'était juste... Ah non, ok, elle est fermée, d'accord. Ok.
Il y a une échelle là? Non, ok. Ah, Charles Stern. Allez, viens, Dina, on y va. Je croyais que la porte, je pouvais l'ouvrir, mais non, j'avais pas vu qu'il y avait des chaînes dessus. Oh, encore une carte! Bon, on en a trois, hein. Mon chat qui fait des conneries, ça fait plaisir. Bon, ça je vais pas le lire en vrai, je le lirai peut-être plus tard. C'est pas le plus intéressant. C'est les objets à collecter. On verra ça plus tard. Plus tard. Ouais. Bah alors, on se refait une partie. Donc c'était bien Uncharted 2 et Jack and Daxter, ce qu'on avait vu au tout début dans le premier épisode. Oh, c'est mignon quoi. Ah, on peut crafter, yes, non? Oh putain, c'est Tommy et Eugène. Ils ont des têtes de bébé. Eugène, c'est Neil Druckmann, non? C'est Neil Druckmann, là, non? Ouais, quand ils étaient chez les Lucioles, ok. Tommy chez les Lucioles. Lumière, les radiateurs. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin. Ouais, bah du coup, j'ai activé l'astuce, donc ça doit être là, hein. Yes. J'ai trouvé le générateur. Ok. Ah, comme à la maison, je vous l'ai dit, c'est comme à la maison. Wow. On connaît. Il est pas mal ton établi, Eugène. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. Bien vu, Dina. En plus des pièces, on en a ramassé pas mal. Donc alors, ce serait quoi? La fusée longue portée. Dégâts importants, cadence de tir réduite. Stabilité, capacité, lunettes, ok. Là, je peux l'avoir à fond en gros, non? Attends. J'ai mon chat qui miaule, qui est chiant. Lester la crosse pour améliorer la stabilité de l'arme. Donc, ça, c'est très très bien. Stabilité, c'est ce qu'on veut. Ajouter un magasin. Ah, ok, d'accord. Pour la vitesse de rechargement, stocker plus de munitions. Non, en vrai, par contre on a que 58 pièces, je crois que j'en ai plus que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le flingue? Style, il n'empêche les animes là. Alors, recul, équiper votre arme d'un compensateur pour le recul, ok. Pour mettre des balles en plus, stabilité. Remplacer le ressort du chien pour augmenter la cadence de tir. En vrai, je pense que... Je pense que je vais améliorer d'abord la stabilité du gun. Stabilité, voilà. Ah, c'est 50 pièces quand même, j'ai pas fait attention. Yes, j'ai eu un trophée. Bon, vous le voyez pas, ça a dû faire un écran noir là-bas sur la gauche. Mais j'ai eu un trophée. Un trophée qui s'appelle bricolaise. Incroyable. Ouais, ça va le faire. Ah, ça va le faire. Du coup, bon, c'est bon. Non, c'est bon, calme-toi. Range ton arme, tranquille. Vachement stylé. Même ça, c'est stylé, punaise. Bon, on fait quoi? On dort, Dina? Coucou, toi. Y'a du chauffage. Quoi, hey, coucou, toi? Regarde par terre. Y'a d'autres trucs en bas. Tu vois, on va descendre. Pas ici. Comment tu veux qu'on aille là-dessous? Ça, je peux pas l'ouvrir, du coup. Ok. Là, on peut pas grimper. Mais moi je pense qu'il va y avoir du fight là, c'est pas possible, on a amélioré notre arme, je vous ai dit, il y a beaucoup trop de bouteilles de l'autre côté. Je pense qu'il va y avoir des gueules, c'est obligé. Faut pas me prendre pour une bille, hein. Non? Je dis n'importe quoi. Ok. J'arrive. Sûrement un truc carrément voyant que je n'ai pas vu. J'arrive, Dina, j'arrive. J'ai l'habitude de regarder partout il faut, sauf au bon endroit. Hein. Ça, c'est bien mon truc. Où est-ce qu'elle est, Dina? Oh. Ouais. Bah, elle est là, bah, je la vois. Bah, elle était où?
Mais t'étais où? Au pire, les astuces, on les utilisera, vous m'en voudrez pas. C'est la première run, tranquille, tranquille. Aide-moi. Et qu'est-ce qu'ils ont bien fait de garder les mêmes? Oh là là, c'est un bonheur. Bonheur. Qu'est-ce qu'ils cachaient en bas? C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. Oh, oh. Oh. C'est bon ça. Ça fait beaucoup de weed séché. Ça explique pas mal de choses. On a fait tourner là. Oh là là. Moi j'en connais, il serait content. Je dis ça, je dis rien. Excellent. Excellent. Ah bah là c'est obligé, on va se fumer un gros winge. Hein. C'est obligé. Ouais. Là, c'est des cassettes vidéo. La queue du loup. Smash, brandy, scooch. C'est du porno. Je n'avais des goûts spéciaux. Smash, brandy, scooch. Ça me dit quelque chose. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est déjà roulé en plus. Ah, ah. Y'en a combien là? Ah, fait tourner quoi. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme la weed? On va voir. Bon, elle doit être sèche quoi. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh putain, donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Bah, tu le casses. Hein. Ah, j'avoue, c'est... Ouais. Ah, et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi, je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais, on va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? 6, oh. C'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein. Personne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6.
Ah bah bravo les gonzes. Ah bah bravo. Ah là là. Ah bah bravo. Bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode. Franchement, je peux rien dire à part que l'immersion est totale et que le jeu est tout simplement au niveau de mes attentes en fait. Y a beaucoup de mélange entre film et gameplay. T'es vraiment, voilà, c'est le scénario, il est vachement bien avant. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je suis vraiment pas déçu. Et vivement la suite quoi, tout simplement. Bref, nous on va s'arrêter ici. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play, pour l'épisode 3. Et puis voilà, merci à ceux qui suivent le let's play. Je vous dis à la prochaine, à très très vite même. Et puis voilà, à bientôt. Allez, ciao, peace.